faut respecter les textes. C'est ça le plus important. Et ça, c'est ma faute. Si vous vous trompez à ce point-là, c'est ma faute ou vous êtes inattentif? Oui, c'est ça, Soprani, oui. Oui, c'est ça. Eins, et. Do, do, bi. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est pas gratuit. Il faut toujours vous dire, le compositeur, il avait toutes les possibilités. Alors, on peut se dire, bien, pourquoi il a fait là, papa, pourquoi il ne va pas, papa? Et surtout, point de vue rythme. Il aurait pu faire des rythmes plus courts, rythmes différents. Non, c'est une volonté. Donc, c'est à nous de voir, au fond, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, pourquoi c'est comme ça. Et vous ne devez jamais oublier, l'événement musical, c'est vous qui le créez. Je ne suis pas le chef. Comme moi, je suis tout seul. Éventuellement, on peut rigoler, mais ça ne veut rien dire. Mais ceux qui font la musique, c'est vous. Donc, ce qui fait de vous une responsabilité beaucoup plus grande que pour moi. Au contraire de ce qu'on pense. Ce n'est pas le chef. Oui, il est important pour dire commencer maintenant et arrêter. Mais chacun de vous est important. Et si longtemps que vous n'êtes pas conscient de ça, ça c'est très très important, cette responsabilité. On revient du début? Bien. Un peu trop la note grave. C'était pas ensemble sur le fur. Je sais que c'est ma faute en partie. Très souvent, je dirige très petit ou presque rien du tout. Naturellement, c'est dans mes moyens techniques de faire ça. Même plus, j'ai un peu mal. Mais plus grand je dirige, moins vous êtes concentré. Vous devrez arriver à chanter ça sans chef. On le fait une fois. Vous avez le début, vous gardez le tempo. Et vous êtes concentré, vous faites attention, et comme on l'a travaillé un peu, ça devrait marcher, ok? Mais c'est vous, chacun, vous vous écoutez. On y va? J'ai vécu ça souvent avec l'orchestre, quand il y a des passages difficiles, je disais son chef, tu parles, ça marchait tout de suite, rien que pour me montrer que je ne sers pas à grand-chose.